Et c'est tout, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour jouer à Grand Tour Racing GTR 400, un jeu édité par Midas, je le dis avec une certaine anxiété, puisque Midas a par curiosité de faire des jeux pas super bons. Et on va découvrir ensemble ce jeu, je ne sais absolument pas ce que ça va donner réellement. Donc, on a un mode single player, multiplayer, game record, option, on va regarder un petit peu dedans ce qu'il y a. Allez, dans les options, on a gameplay, contrôleur, audio, visual, ready, load. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le visuel? Santa screen, clean ratio, on va mettre en... Bah non, on va aller en 4 tiers, player shift vertical, ok. On peut régler l'écran. Niveau de l'audio, on a le volume. Je pense qu'on va laisser par défaut comme ça. Même si le son m'a l'air peut-être un peu fort. Gameplay. On a quoi? Alors la difficulté, medium, hard ou easy, on va mettre en kilomètres par heure, on va activer dommage, oui bien sûr. On va mettre la vibration, ok. Ah oui mais évidemment, on n'a pas de memory card. No, continue with saving the game, ok. Voilà, et au niveau des contrôles, donc du coup, accélérer, freiner, c'est du classique, X carré. Rearview L1, View Change R1, on peut changer la boîte de vitesse avec L2, R2, le steering, et on peut toggle HUD avec le Select, ok. Écoutez, c'est parti. On a un mode multijoueur d'ailleurs. Single player, on a notre Quick Race, Championship, Time Trial. On va essayer le Time Trial pour commencer. Alors, Time Trial 1, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, il n'y a même pas le choix en fait. Donc on va faire enfin on va aller sur le Woodcourt Park, dans le Mossière, je sais pas ce que c'est, avec les livreries 4. Ok, j'ai pas compris ce que c'était. Et le tour se fait en moins d'une minute 10 à peu près, ok. Petit chargement. L'austérité sur 20. Allez, press X to start. Allez, c'est parti. Oula, de très très beaux effets, mon dieu. Oh my god, tu vois ce que c'est? Pourquoi il y a des trucs verts partout? Alors, attendez. Ah, c'est bizarre, on sent qu'il y a des petits effets. Oula, il y a quelques petits typos graphiques là par contre. Ok, donc on est sur le circuit de Woodcote. J'ai l'impression qu'il y a quelques petits artefacts. Je vais juste essayer de corriger ça quand même, parce que on va quand même essayer de donner le meilleur du jeu. Je vous retrouve juste après. Voilà, donc on se retrouve avec le mode le plus se rapprochant le plus du jeu. Donc on va continuer. Alors regardez-moi ce circuit qui est ma foi. Alors j'ai quand même des bugs, hein, c'est assez bizarre, mais qui est quand même hyper détaillé. On a énormément de choses à l'écran. Alors je vais essayer de voir pourquoi on va commencer, parce qu'il y a tellement de trucs à dire. Là. Alors le maniement en soi est pas mal. Non, non, vraiment. Hein. Le maniement, il est ok. Il est vraiment ok. On sent plutôt bien la voiture. Hein, voilà. Au niveau du freinage, bon, ça freine un peu fort, mais c'est correct. On va changer de vue. On a une petite vue intérieure avec le proche du capot. Et le son qui change. Pas mal. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait un truc par rapport au son. On a plus éloigné. Et on a encore plus éloigné. Et ici, ça bug de fou, je sais pas pourquoi. Sachant qu'on est en mode le plus original, voilà, hein, je veux dire, il n'y a rien d'autre. Oula, ça glisse un peu. Ouais, le circuit, il est quand même détaillé de fou. Hein. Regardez le nombre de détails qu'il y a autour. Je crois que j'ai jamais vu un circuit avec autant de particules en même temps. Bon, il y a certes quelques artefacts, mais bon, ça, je... Je pense qu'on va mettre ça sur le côté émulation, voilà, je pense pas qu'ils en soient à ce point là quand même. Et Woodcote d'ailleurs qui me fait penser, alors brièvement, hein, regarde, légèrement, un petit peu au tracé de Silverstone dans son tracé, attention, hein, pas dans ses dénivelés, ce type de virage, son environnement, mais au niveau du tracé en haut à gauche, légèrement. Hein.
voilà, vraiment. Ça se manie bien. On a l'ABS, c'est quoi on a... Alors, attendez, parce qu'avec Select, il y avait un bouton. Ouais, ok, Select, on peut afficher ou pas le HUD. Donc, si on veut pas l'afficher, c'est bien. On va voir un petit peu la réaction de la voiture si on voit dans le gravier. Bon, ça marche, hein, ça ralentit un peu. Petit effet de glissade quand on va dessus. En tout cas, pour le seul circuit disponible, bah écoutez, ma foi, il m'a l'air assez intéressant, quoi. Il y a quand même pas mal de virages. Le bruit est pas mal, hein. Le bruit est correct. Franchement, ils ont fait une bonne... Niveau son, on est bon. Par contre, il n'y a pas de musique. Je pense que c'est fait exprès. Alors, je vois les pits sur les côtés, mais je crois qu'on peut pas rentrer, non. Non, je vois pits, mais j'ai l'impression qu'on peut pas y aller. Alors, on va remettre cette vue. Je trouve super réussi en fait. 50 mètres, attendez. Ah, mais c'est pas l'entrée des pits, c'est juste pour dire qu'il y a un virage. Et ils avaient pas les sponsors par contre pour afficher Dunlop. Hein. Au-dessus du. Au-dessus. Ah, pas mal, regardez. Ah, mais quand même, regardez. Je vais m'arrêter 30 secondes, mais. Regardez quand même quoi. Le nombre de détails pour un jeu Play 2. On a carrément le roller coaster derrière qui fait son tour. Moi je me souviens par exemple sur sur les jeux avec Suzuka, on avait souvent un petit peu la grande roue qui tournait un peu, il y a encore pas souvent. Et bah, il y en a une d'ailleurs de grande roue. Voilà, elle est juste là. mais là, il y a vraiment tout. Donc quand même, premier point positif, c'est un jeu qui est plutôt joli. Faut pas se cacher. Pour ce qu'on vient de voir en tout cas pour le moment, je le trouve pas magnifique, hein, loin de là, mais correct quoi. Vraiment correct. Alors on va faire ça, on va changer un peu d'endroit. Kit and Trial. On va essayer de faire une course. Il y a même un avion qui est en train d'atterrir. Par contre il va m'ennuyer chaque fois pour l'autosave. Bon. Pas grave, hein. Pas grave avec. Alors. On va sortir de là. On va faire une quick race. Alors race it up. On a. Ah voilà, donc on a la Mossière. V1, V2, j'ai qu'une couleur en fait. Bon, il n'y a qu'une couleur. C'est la même voiture mais avec une autre livrée. Bah écoutez, on va prendre la première. On va confirmer la voiture. On a le circuit. Et pour l'instant on n'a qu'un seul circuit. En mode inversé ou pas. Bon, ok, et le nombre de tours, on va faire confirmer track. Bon, pas beaucoup de réglages, ça sent le jeu à la Midas, c'est-à-dire vraiment contenu rachitique. C'est juste pour dire, voilà, on fait un jeu, donnez-nous un peu d'argent s'il vous plaît. Mais souvent, le jeu Midas a tendance à être dégueulasse dans tout ce qui était technique en fait. Là, ça part un peu mieux. Bon, on est passé sur PS2, mais voilà. Allez, c'est parti, on est 6 sur la grille, ce qui est un chiffre tout à fait normal. Voilà. Je prends comme base de Gran Turismo, qui n'est pas forcément la meilleure base, hein, 6 voitures, bon, sur PS2, on serait capable d'en faire 20, hein, avec les Formule 1. Mais en vrai, c'est pas mal. Alors, il y a les dommages aussi, sur la voiture. On va voir un petit peu ce que ça donne si on top les autres voitures. Et on est en mode moyen, donc on va voir au niveau des IA ce que ça donne. Ouais, c'est une voiture qui a beaucoup de grip. Du coup, c'est assez facile de prendre les virages. Bon, je l'aurais mis avant dès le début. Alors, je sais pas s'il y a le phénomène d'aspiration qui est pris en compte, tout ça. En tout cas, pour le moment, on est déjà devant. Ce qui me paraît assez paradoxal, par contre, hein, parce qu'on a eu à peine de débuter le jeu. Vraiment, je le dis, quand j'ai lancé le jeu, c'était la première fois que je le lançais réellement. Voilà, donc du coup, je n'ai aucune habitude du jeu, j'avais pas de temps d'entraîner 3 secondes. Et déjà, je suis en train d'être premier. Ouais, l'entrée des stands, elle est bloquée, je peux pas y aller. Du coup, bon, ok. Bon, les petits bugs graphiques, je sais pas si c'est des bugs graphiques ou si c'est vraiment des gens qui nous prennent en photo. Ça me paraît un peu trop mal fait pour que ce soit pas un bug, mais bon. Vous doutez que je ne prendrai pas en compte ce petit détail pour mon jugement final, hein. Firebox.com. Est-ce que ce site existe vraiment? On a déjà fait un premier tour et dans le deuxième. Non, le circuit est pas mal, le circuit est vraiment bien. Le maniement correct. Pour l'instant on part sur un jeu qui est une bonne base, c'est déjà ça, hein. Vraiment. Hein. Rapidement le détail. Puis la fluidité est bonne, hein.
Pour l'instant, j'ai pas eu de ralentissement. Bon, après, je pense que suivant le. S'ils avaient rajouté des voitures, je pense que ça aurait un peu galéré. Alors, est-ce qu'on a des reflets en temps réel par contre sur la monoplace? J'ai l'impression que oui, on passe le pont. Eh ouais, la gueule. On a du reflet en temps réel en plus, pas mal. C'est pas mal. Mais j'aime vraiment le son intérieur. Ah, attendez, j'ai pas touché. Est-ce que j'ai pas un choc sur le côté de la voiture? Si, regardez. Alors, regardez furtivement sur le côté droit quand je vais tourner. J'ai la partie droite qui est légèrement renfoncée. Donc, j'ai eu quelques dégâts visuels. Regardez, ici. Ah, ouais, on va le voir légèrement. Et s'ils sont pas loin? Eh, ils m'ont déjà rattrapé un petit peu. Donc là, on a une longue ligne droite. Ah, ce son un petit peu meufled là, c'est quand même pas mal hein, d'y penser. Oula, ouais, attention, pas partir à la faute. Bon, déjà, ce qui me fait très peur, c'est de me dire qu'il va pas avoir grand chose en contenu. Oh lolo. Et on va arriver sur la fin de la course. Ah, vous voyez, regardez, le côté gauche était légèrement enfoncé par rapport au côté droit. Enfin, l'inverse, pendant le côté gauche, le côté droit par rapport au côté gauche. Et l'avant était cassé un petit peu. Ouais, effectivement. Bon, c'est vraiment un renfoncement simpliste. Hein. C'est-à-dire, en gros, on prend une box et on moule la 3D par rapport au choc. Et surtout, je pense qu'il n'y a pas avoir de casse mécanique dans le jeu, hein. Ça va peut-être être des dégâts visuels, mais on sait jamais. On va essayer ça peut-être après, enfin en mode championnat bien sûr, pour essayer de voir si on débloque des trucs. On va faire un championnat. Race setup, donc j'ai changé de voiture. On va prendre ça là, hein, y a pas beaucoup de choix. Autant dans les anciens trucs de Midas, on avait au moins le choix des couleurs, on avait plein. Autant là, Alors attendez, parce qu'on a la Super Cup, l'Amateur Series, la Pro Racing Super Cup. Oh vas-y, on met de la Super Cup, on est fous nous. Race Setup, Start Race. Enfin pour le dernier. Rouen Touring. Alors est-ce que c'est le circuit? Ah, notre circuit, ça fait plaisir. Et donc on est à Rouen apparemment. Alors est-ce que c'est Rouen les Escars? Les Essarts bien sûr. Ou est-ce que ce sera un autre circuit? Bon, quelques bugs graphiques, voilà. Vraiment, faites pas trop gaffe à ça. Vraiment, oubliez ce détail. C'est vraiment, je pense, enfin, j'espère en tout cas qu'il n'y a pas ce problème-là sur le jeu, sur l'hardware, le vrai hardware. Oula, je pense pas que ce soit un jeu qui soit facile à trouver par contre, hein, GTR 400. Honnêtement, j'en ai entendu parler qu'il y a à peine une semaine. Assez sinueux. Ça ressemble pas à Rouen, par contre. Enfin, je trouve pas l'impression que ça ressemble trop à Rouen. Après, c'est pas le circuit que j'ai souvent fait à Rouen, je vais être honnête. Donc, oui, bon, effectivement, peut-être le tracé, mais j'ai des gros doutes. Ouais, non, ça m'étonnerait. Des chicanes comme ça. Bon, niveau dégâts, à mon avis, on est bon, hein. Ah non, on a rien tapé. Et on va arriver dans une droite de fin. Et trois tours à faire. Ça fait plaisir, au moins je vous aurais montré plus qu'un circuit, parce que je trouvais que ça avait l'air très limité. Ouais, alors vraiment, ouais, par contre, ils sont très permissifs avec les chocs, hein. Je peux faire du flipper, ça change pas grand chose. En plus, je n'ai aucun dégât, enfin dégât physique, aucun dégât matériel, on va dire.
Bon, le jeu est plutôt pas mal. Bon, y a pas de musique, ça me dérange un peu. Bon, ça, c'est plus un jeu qui se peut-être un peu réaliste, du coup, il se dit... Ah, on a pété notre aileron arrière. Voilà, on a pété un truc. C'est bien, ça. On peut péter quelque chose. Par contre, est-ce que ça change quelque chose au maniement? En vrai, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression de voir de différence, de sentir de différence sans aileron. Ouais, oula, ça va un peu... J'ai exagéré le virage pour voir si j'allais partir, mais... Ça va pas changer grand-chose. Bon, j'avoue, je fais aucun effort pour bien tourner, je devrais le faire. Bon, ouais, si tu viens troisième quand même, ça serait pas mal, on avait fait un bon... bon début de Grand Prix, on était même deuxième à un moment. En tout cas, là, la difficulté est plus élevée, ce qui me rassure un peu. On est toujours en moyen, on n'a pas changé, mais ça me rassure parce que ça semblait un peu facile avec le mauvais circuit. Ouais, je suis très content de mon passage. Il en tourne pas. On va essayer de dépasser au dernier moment. Aspiration peut-être? Non. Deuxième. C'est pas mal, deuxième, c'est pas mal. Alors regardez les dégâts, on a les vitres qui sont pétées légèrement. Bon, vraiment on limite les dégâts hein, avec tout ce qu'on s'est pris. Et on est du coup deuxième. On va faire du coup la prochaine course qui est à Altendorf International. Donc oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait encore. Ah, et on y est en temps réel, enfin là on voit deuxième parce que je suis deuxième championnat. Ça c'est bien. Allez, c'est parti. Oui, mais alors compliqué celui-là. Allez, bon départ. Oh là, j'ai fait un super départ. On va essayer de récupérer une caisse de champignons. Bon, y a rien. Ouh là là, ça m'a l'air... ok. Ok, et on ressort là. Ah, pas mal. Non, pour l'instant, les circuits sont plutôt originaux. Enfin, vraiment, ça va. Ils ont pas fait un circuit trop simpliste. Alors là, on est sur un circuit en forme de 8. Ça veut dire qu'on va se recroiser à un moment, si je dis pas de bêtises. Parce que je vois pas de truc en hauteur, donc il va se passer quelque chose. Et au moment où on... Il y a un moment où les autos sont censées se rentrer dedans si, par exemple, il y en a un qui est retardataire. Ah non, ok. Non, ça passe juste à côté, en fait. Ça traverse pas. Parce que là, j'allais me dire un truc qui est bizarre. Ok, donc là, on est dans la forêt. Ah non, en vrai, les circuits se sont bien... Ils se sont bien embêtés. On peut leur retirer ça, c'est quand même pas mal. Alors oui, vous vous doutez, je pars avec des a-priori négatifs de base quand j'ai vu le jeu. Hein. Et honnêtement, pour l'instant, le jeu me surprend dans le bon sens, faut être honnête, par rapport à ce que j'imaginais. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Ça ne fera pas le jeu de l'année, en tout cas de l'époque. Loin de là, très très loin de là. Mais le jeu déjà, enfin pour moi, là, à ce niveau-là, si on a encore 2-3 circuits, je l'ai mis déjà au-dessus de la moyenne, hein, parce que ça veut dire que le jeu ne souffre pas de défauts ultra récurrents, que ce soit un contenu trop faible. Il a une bonne humanité, c'est fluide, les circuits sont intéressants, à voir en difficile si on peut augmenter un peu le niveau, parce qu'effectivement, là, je suis encore premier, quoi. Le deuxième circuit, j'ai eu un peu plus de mal, mais j'ai pas fait d'effort du tout. Voilà, mais... Je sais pas combien coûtait le jeu à l'époque, en général Midas vendait pas ses jeux 60€, hein. Il vendait peut-être entre 30, 40, bon, ce qui est déjà beaucoup, hein. 40€ pour un jeu comme ça, vous dites non. Mais bon, s'il le faisait à 20 ou 15, allez, 15€, pourquoi pas? Ah non, en vrai 15€ ça va, pour l'époque il n'y a pas de honte. Mais je sais pas combien il valait à la sortie, donc je peux pas me prononcer à ce sujet. Non mais regardez, il y a quand même, il y a de l'herbe, il y a des décors, c'est... Ils n'ont pas joué trop la facilité. À mon goût, donc pour moi ça vaut le mérite, c'est le mérite quand même de c'est un mérite de leur part quoi. Et même la, même le gazon hein, à certains moments on voit on voit les pousses d'herbe en relief quoi, enfin elles sortent de la texture. Ils étaient pas obligés. Regardez l'avion sur le côté. Non, alors ce qui aurait pu être intéressant avec ça, c'est bon, peut-être un peu plus de setting, par exemple. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule voiture, par exemple, dans le jeu. Ça, c'est pas trop grave, dans le sens, par exemple, vous jouez à un jeu de Formule 1, bah, vous avez que des F1, quoi, donc, ok, ça vous gêne pas forcément, on utilise de F1 pendant tout le jeu. Donc ça, c'est pas trop le point négatif. Par contre, je sais pas, peut-être on a plus de personnalisation,
Le fait de pouvoir régler un peu plus de choses comme le nombre de tours plus élevé, pourquoi pas les arrêts au stand par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Ah yeah, oh yeah. Puis j'imagine en plus ces circuits doivent être en inversé aussi, donc peut-être qu'il y a plus de choses à faire. On a gagné. celui-là était facile. Le circuit était facile, même si le tracé en lui-même ne l'était pas spécialement. Mais la voiture ayant un grip tellement bon, ça devient facile. Je pense que la voiture manque un petit peu de... Et on a gagné le circuit d'Altendorf, on a débloqué en gagnant dessus, ça c'est pas mal. Et là on va avoir l'Atlanta Raceway 500, alors ça c'est pour les gens qui connaissent le NASCAR, l'IndyCar. Est-ce que ce circuit existe vraiment? J'imagine que toutes les grandes villes des États-Unis doivent avoir un ovale quelque part, grâce au NASCAR, tout ça, mais... Est-ce que vraiment celui-là existe? Je n'ai aucune idée. Dites-moi dans les commentaires si ce circuit existe vraiment. Et surtout s'il est bien modélisé, parce que ça se trouve, il va être très très bien fait. Allez, c'est parti. Donc là, ça risque d'être un poil plus technique, parce que c'est un ovale, donc à moins que l'IA soit vraiment nulle, on devrait être au même niveau. Et je pense que l'aspiration aura peut-être un intérêt. Enfin, ok, par contre, oui, j'ai oublié que c'était pas un ovale entièrement. Il y a quand même une autre partie avec des virages. Ok, là, c'est un peu plus serré. Ouais, le grip de l'auto est tellement, tellement fort que ça coupe la difficulté de beaucoup de virages. Et ça, c'est vraiment dommage. Ouais, je suis déjà promis. Ne jouez pas ce jeu en mode normal, hein. Je pense que mettez-vous en mode difficile parce que vous n'allez pas avoir beaucoup de challenge. Non, est-ce que le circuit d'Atlanta ressemble à ça? Est-ce que l'Atlanta a vraiment un circuit? Pourquoi pas. Donc là, 3 tours à faire. Alors, j'ai pas ressenti le phénomène d'aspiration encore dans le jeu. Bon, après, on n'a pas souvent été derrière une voiture de l'IA. Mais bon. On pourra pas tester le mode de joueur ici, non plus. Mais bon, j'imagine que ça va être la même chose, juste en écran splitté, hein. Il va pas y avoir de grande différence. On a des beaux bâtiments derrière, pas devant. Bon, c'est un peu monotone ce circuit du coup. Quand on est sur un circuit où il n'y a pas beaucoup de virages, vu qu'on domine un peu. Je regarde un petit peu les fonds de le ciel. Non, le ciel bouge pas. On n'est pas là quand même. Mais bon, c'est pas mal. Pour l'instant, on est bon. Pour l'instant, on est un jeu correct. Hein. Là, on arrive dans la partie lente. Ouais, voilà. Ce qui manque un petit peu, ce que je dis sur la voiture, c'est qu'il faudrait que, voilà, par exemple, quand je tourne à fond, typiquement, qu'elle se mette à perdre un peu de grip, quoi, parce que ça a beau avoir des ailerons, je suis désolé, quand je suis à 130 dans le virage comme ça, je devrais normalement glisser de l'arrière. Donc, voilà. Par contre, je vois ABS TC en bas. Alors, on va regarder un petit peu s'il s'allume quand je freine ou je tourne, s'il s'enclenche, ou si c'est un réglage que je peux désactiver, parce que potentiellement, je dis des bêtises, on peut désactiver l'ABS et le TC, et ça rend le jeu plus difficile. Je bouge, ça fait rien. Bon, on va gagner la course. Alors, ce qui est bien, c'est que même si je ne gagne pas le championnat, le fait d'avoir gagné 2-3 courses, ça va pour le mode solo, pour le mode hors championnat, je vais pouvoir débloquer normalement les autres circuits. Voilà. On a débloqué le circuit d'Atlanta. Woodcote Park. Donc là, on revient à nos premiers. Premiers amours, on va dire, avec ce circuit, qu'on le connaît bien, donc ça devrait bien se passer. En tout cas, on est donc à 5 circuits, si je dis pas de bêtises. Non, 4 circuits. Oula, dès le début, je rentre dans l'IA, tout va bien. Je ne vais même pas concentrer. Et par contre, je vois qu'il y a d'autres livrées, alors j'imagine que peut-être on pourra les débloquer. Par contre, je vois à aucun moment aucune autre 3D. Voilà, c'est comme ça. J'ai pas pris un super départ.
On entend pas trop les adversaires par contre, au niveau des sons moteurs, c'est un peu dommage. On a l'impression d'être toujours un peu seul sur le circuit. Regardez sur le côté. Oh là 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 là, ça s'est touché. On les entend légèrement, mais pas plus que ça. Je me demande si le jeu il est pas trop fort depuis le début en fait, c'est un peu... en train de me rendre compte que j'ai peut-être mis le jeu un peu trop... J'ai baissé un peu. Ouais, j'ai baissé un petit peu parce que je pense qu'il est trop fort. J'ai complètement oublié de le remettre à un niveau plus bas. J'espère que ça va pas poser de problème. Pour l'enregistrement final, bon, désolé de m'en rendre compte que maintenant. Eh, là l'IA est un peu plus difficile. On va se mentir. Plus de mal. Et bam, je vais remonter, je vais augmenter mon skill. Bon, là, il va prendre l'aspiration, enfin, il va essayer en tout cas, parce qu'il a pas vu. Hop, gros freinage. J'ai à peine tapoté le frein, ça m'a permis de remettre en ligne. Aïe, 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 on s'est touché. Ah ouais, gros... On va même péter le phare avant. Regardez. Ah, du coup, depuis que j'ai pris le choc, j'ai perdu énormément de temps sur lui. Ah bon, il va atterrir ce Boeing ou pas? Non, il fait le tour, regardez, il fait le tour. J'ai dit que c'est cool, il va lui-même faire le tour du circuit. Ouais, parce qu'en vrai, l'avion, il atterrit jamais, quoi. Ils sont côte à côte. Alors, petit détail plutôt bien fait. Faut remarquer quand même que les jantes sont en 3 dimensions. Hein. Bon, il est sur PS2, mais quand même. Mais quand même. Allez, troisième tour. Faut que j'arrive à le dépasser dans le dernier tour. Petit moment de concentration. Ah, j'aime bien ce passage. Voilà, j'ai même pas ralenti. J'ai même pas freiné, juste ralenti. Et ça passe. Oh 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 oh, ça glisse. Ça glisse pas mal. Je pense que c'est typiquement le genre de jeu où ils auraient pu mettre... Oh là, je vais me faire n'importe quoi. Où ils auraient pu mettre au moins 10-12 voitures, quoi. Je pense qu'ils auraient largement pu. 6 voitures, c'est à partir du moment où il n'y a qu'une seule 3D, ça me paraît vraiment léger. Et allez, on va remporter la course. Ouais, les jantes. Plutôt bien réussi. Oh, il y a encore une course. Eh ben, on va voir ça. On a le Glendale Raceway Touring, que je ne connais toujours pas. J'ai dit un mauvais départ, mais en fait, l'IA fait un départ encore pire. Allez, on change d'univers, j'ai l'impression, enfin, en tout cas de colorimétrie. Ça sent le circuit que j'ai bien aimé, là. Alors, ce qui est bien dans leur circuit, hormis... je crois que c'est le... Il y en a deux comme ça. C'est qu'ils ont fait des circuits avec pas mal de dénivelé. Ça, c'est pas mal. Oh, là, je... oh, regardez, je peux même déplacer les blocs d'herbe. Incroyable. Je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, ces blocs de... Enfin ces blocs, c'est des... C'est une plante en fait. Et apparemment il y en a beaucoup bah, dans les déserts, hein, surtout aux États-Unis. Et apparemment ça crée des... Ça crée parfois des accidents. J'ai remarqué que je dis des États-Unis. Je crois que c'est un petit peu une déformation à cause des guignols. Ah, l'IA qui s'est réveillée là, qui...
plutôt vite. Oui, 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 oui. Et là, on va arriver à l'épingle. Oula, pourquoi il s'arrête vraiment? Bon, effectivement, oui, quand je bloque les roues, il y a le TC qui s'affiche en bas, donc celle-là qui sert à quelque chose. Est-ce qu'on peut le désactiver par contre? J'ai pas l'impression. Ouais, la chicane à fond comme ça. Yon. Oh, 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 oh. Le petit saut avant de prendre le virage. J'ose pas y aller trop à fond non plus parce que ben, on peut partir à la faute. Ce circuit pour le moment pour moi est assez technique. Franchement il est plutôt technique. Bon il va freiner comme un. Et on est passé en tête. Disons que ça manque de vie sonore aussi. Peut-être qu'il n'y a pas de musique, qu'il n'y a pas de commentaires, ça. Un peu dommage, voilà, ça rend le... Puis le son est un son qui fait très ASMR, quoi. Enfin, on pourrait presque s'endormir. Et victoire ! On a encore débloqué le circuit. 46 points, mais je pense qu'on est pas mal. Non, on va faire continue without save, comme d'habitude. Alors, est-ce qu'on va encore avoir un autre circuit? Donc on a débloqué le circuit de Glendale Raceway Towing, je sais pas si c'est bien prononcé ou pas. Oh, regardez, j'ai débloqué... Bah, un skin, hein. What else? C'est dommage. Quelle tristesse. On a gagné le championnat. On a gagné le championnat. Est-ce qu'on a fini le jeu du coup? Parce que j'ai quand même fait le plus difficile. Alors attendez quand même. On va faire cancel. Attendez, hein. Championship. Je vais prendre le modèle que j'ai débloqué. Ah attendez! Mosler GT. Mais alors peut-être qu'elle est plus rapide. Confirm car. On va quand même le tester. Ah, mais attendez, maintenant on est à championnat GTR. Ah, ça commence à être intéressant, tiens. Touring GTR, enfin, on confirme le championnat. Mais écoutez, on a peut-être pas la, on a peut-être la même 3D, mais par contre, j'ai l'impression qu'on aura peut-être pas la même puissance. Donc on va essayer ça tout de suite sur le Rouen Scénic, qui n'est pas le même. Qui n'est pas le même circuit. Peut-être qu'il y aura une variante de ce circuit. Je vous avoue sincèrement que là, le jeu il est en train de me surprendre quand même. Parce que si on a d'autres circuits avec d'autres voitures encore, enfin d'autres voitures, en tout cas plus rapides, il y a moins que ce soit, ça devient très intéressant. Ouais, alors par contre, oh là 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 là. Ok, donc j'ai l'impression que les V2 vont beaucoup plus vite. Enfin, beaucoup plus vite, un peu plus vite. Oh là là, ça glisse pas mal. Oh, aïe 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 aïe. Moi qui m'attendais à faire le jeu en 20 minutes, eh ben on est loin, hein. On en est très loin. J'ai pété mon aileron arrière. Alors l'aspiration, est-ce qu'elle marche? Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait aspiration dans le jeu. Ouh, ça c'est dommage. Gros choc. Alors j'ai l'impression que le circuit a changé, c'est pas la même variante. Oh, j'ai foutu l'IA dehors, hein, désolé. Ouais, c'est pas la même variante. C'est le même circuit, mais c'est pas la même variante. Donc déjà, petit effort fait à ce niveau-là aussi. Peut-être que le circuit de Woodcote aura aussi ce même, cette même particularité. Bon, par contre, voilà, les dégâts n'ont aucune influence sur la maniabilité. Elle est totalement démontée. En tout cas, ouais, ça va beaucoup, beaucoup plus vite qu'avant. À voir en mode difficile, mais ça va être compliqué, je pense, en mode difficile. Non, mais écoutez, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Oh, regardez, j'ai même pété
Alors je crois que je suis repas... Merde, je suis repassé. Oh, je perds du temps là. Je suis repassé sur l'aileron que j'avais tapé tout à l'heure. Et... Ah, attendez. Attendez, j'ai peut-être dit des bêtises, les gars. Il y a des dégâts physiques. Regardez-moi ça. La voiture qu'en fait tourne à droite. Légèrement. Donc il y a des dégâts. Il y a des dégâts. Bah écoutez, encore une bonne nouvelle. Il y a des dégâts. Donc ça c'est pas mal. Encore un bon point pour le jeu. Oui, je disais le jeu, voilà. Bah écoutez, agréablement surpris par Midas pour ce jeu. Vraiment. Bon. Il y aura pas 20 sur 20, je vous l'ai toujours dit, mais encore mieux. Hein. Plus on avance, plus je suis surpris. On a des circuits, on a deux modes de voiture plus rapides, donc qui vont prolonger un peu la durée de vie du jeu. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Les dégâts qui finalement existent, parce que là j'ai carrément la suspension voilée, donc je commence à tourner un peu à droite. Bon, c'est pas trop impactant. Hein. Excusez-moi. C'est pas trop impactant, mais il y a ce léger quand même truc qui fait que ça change le maniabilité. Là, elle tourne, on le voit là, automatiquement. Donc je suis plutôt content. Écoutez, hein, bonne surprise. Je pense, alors je vais voir, on verra le prochain circuit si c'est un nouveau, si c'est un autre circuit. Parce qu'on a déjà fait, on va laisser tomber, enfin on s'arrêtera là, hein, je vais pas non plus vous spoiler tout le jeu. Qui potentiellement peut nous... encore nous surprendre. Ça sera à vous de voir si derrière ça il y a encore des trucs. Finish. Donc on a débloqué en plus cette variante. Pour la voiture, elle est démolie. Elle est démolie. Alors normalement on a débloqué donc la variante. A voir si le prochain circuit aura une variante aussi. Congratulations, new place first. Ah par contre c'est le même circuit d'attentat là. Donc du coup on va avoir exactement la même chose à faire. Bah écoutez, du coup on va s'arrêter là pour ce GTR 400 Gran Touring Racing. Je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. Donc bah, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à essayer. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.